Et puis voici celui qui joue de la guitare, mais qui n'a sans doute pas anticipé qu'après cette chanson, il pourrait lui manquer trois doigts. Oui, en tout cas, si Vladimir Poutine nous écoute, je tiens à lui dire que je n'ai pas entendu la chanson avant et que je ne l'aime pas, cette chanson. Chanter Frédéric Fromet. Oui, bah, donc à cause du conflit en Ukraine, la nuit dernière, j'ai fait un cauchemar. Sa prochaine tournée passant vraiment par la Russie, j'ai été contacté par Mylène Farmer. Elle voulait que j'adapte son répertoire, mais j'ai tout foiré. Je suis Poutine. Je suis un coquin. Je vous piétine. Si vous, pas mon copain. Je connais bien vos petites blagues faciles, vos petits jeux de mots niveau maternel. Je vous préviens, je balance un missile à celui qui dit Vladimir pour la vaisselle. Je suis Poutine. C'est nul. Je suis un coquin. Je vous piétine. Si vous, pas du Kremlin. Je dois vous prévenir, il faut pas m'en contredire. Car sans contrefaçon, je suis un glaçon. Pour garder mon empire, je saurais vous refroidir. Puisque sans contrefaçon, je suis un glaçon. Lorsque je vous dis niette, c'est pas d'assez niette. Niette, 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 niette. Faut pas chercher la petite bête au suprême soviet. Niet, 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 niet. Je suis un ours, j'ai déjà posé torse nu par moins 40 degrés. À celui qui redit Vladimir pour la vaisselle en Sibérie, je le congèle. Faut pas contredire, sinon vous allez mourir. Car sans contrefaçon, je suis un glaçon. Vous allez mourir si vous osez soutenir qu'il y a de la contrefaçon dans mon élection. Que ce soit la Crimée ou l'Ukraine, pourvu qu'elle soit russe. Emmanuel Macron ou Joe Biden, pour moi c'est comme le cirque russe. Que ce soit la guerre, la fin du monde, pourvu qu'elle soit russe. À la retraite, je pense pas une seconde, même si je suis un papyrus. Tout est chaos. Le KGB, je pratique les arts martiaux, je suis musclé, je cherche une âme qui saura m'affronter, je suis la génération du KGB, faut pas me chercher. C'est possible. C'est possible. Merci Frédéric Fromet. Ah, nous avons un appel de l'ambassade de Russie à Paris. Je vais vous laisser régler ça entre vous. Non, ils veulent vous offrir un thé. Ouais. Donc on ne donnera pas vos dates de tournée, Frédéric Fromet, car on tient énormément à vous. Merci. Donc on ne donnera pas les dates.